Bonjour et bienvenue au message d'aujourd'hui. Nous retrouvons Chrétien et son nouvel ami Espoir dans une vive conversation avec intérêt personnel. Voyez-vous, ces gens-là qui critiquent Chrétien et Espoir ne sont pas si ignorants, nous pensons, des saintes Écritures, mais ils sont étrangers à leur application personnelle dans leur propre vie. Ecclésiaste 7, 16 dit ceci: Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Ce verset de l'Ecclésiaste fait allusion à Matthieu 7, 3 et 4. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Matthieu 7, 3 et 4. Est-ce qu'ils vont enfin, encore longtemps, essayer de contredire nos deux pèlerins, Espoir et Chrétien, qui restent sur la route qui conduit à la cité céleste? Intérêt personnel dit ceci: Mes frères, nous voici tous réunis. Permettez-moi, pour votre édification mutuelle, de proposer cette question à nos pèlerins. Lorsqu'un homme, soit pasteur ou autre, trouve quelque occasion de faire un profit quelconque, qu'il ne peut l'obtenir que par une belle apparence de piété, ou en faisant paraître plus de zèle qu'à l'ordinaire, je demande au fond si un homme ne peut pas employer ces moyens-là pour parvenir à son but et être quand même un homme de bien. La fin ou la conclusion de tout ça ici est mauvaise, voyez-vous. Moi, c'est ce que je vois ici, car contrairement à l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33, le but d'intérêt personnel est la réalisation du succès mondain. La Bible dit pourtant: Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dans Matthieu 6, 33. Les moyens ici d'intérêt personnel sont mauvais, car contrairement à ce passage de Matthieu 5, verset 8, il emploie, nous allons lire ce verset-là après, il emploie un style de vie de duplicité. Jésus a dit: Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Un homme honnête n'utilise pas des moyens détournés pour parvenir à une bonne fin. L'ami de l'argent s'exprime de cette façon-ci. Il dit: Je comprends cette question à fond et je veux, avec votre permission, tâcher d'y répondre. Exactement. Donc, premièrement, il dit, je la considérerais par rapport à un pasteur. Supposons qu'un bon pasteur qui a peu de revenus et à qui se présente une occasion ou un bénéfice plus avantageux et qu'il ait moyen de l'obtenir, disons, à condition d'étudier davantage, de prêcher plus fréquemment et peut-être même de renoncer à quelques-uns de ses principes de foi parce que l'état de son troupeau l'exige. Je ne vois aucune raison qui puisse l'empêcher d'accepter la place qui se présente à lui, dit l'amour de l'argent ici. Et je ne crois pas qu'en cela il fasse la moindre brèche à sa conscience, car premièrement, s'il est naturel d'améliorer sa position comme il y a droit, sans contredit, dès lors la chose est permise, d'après lui. L'enseignant peut accepter le nouvel emploi sans trop consulter sa conscience. Et deuxièmement, le désir qu'il a d'arriver à une meilleure position l'oblige à prêcher puis à étudier davantage et avec plus d'ardeur
et ainsi le rend plus performant. De cette façon-là, il développe mieux ses talents, ce qui est agréable à Dieu, non? Et je dirais troisièmement, continue-t-il à dire, en changeant quelque chose à ses principes pour s'accommoder à son peuple, les pèlerins pourraient, par exemple, faire valoir ces trois choses-là, qu'il sait renoncer à lui-même et à sa propre volonté, qu'il sait exercer son habileté pour en gagner quelques-uns et se faire à tous selon le précepte même d'un apôtre afin qu'il puisse bien exercer son emploi. D'où je conclus, dit-il, qu'on n'en doit pas condamner un pasteur qui change un bénéfice plus minime pour un qui est plus avantageux, ni en conclure qu'il soit avare ou autre chose semblable, mais plutôt du fait qu'il a l'occasion d'exercer ses dons et ses connaissances. On doit le regarder comme un homme qui suit sa vocation, qui se prévaut sagement de l'occasion que Dieu met entre ses mains. Cette décision de l'ami de l'argent sur la question proposée par intérêt personnel fut fort applaudie de tous. C'est pourquoi ils conclurent qu'il fallait y adhérer, se mettre d'accord là-dessus. Comme ils s'imaginent que personne ne pourrait les contredire et qu'ils remarquent que chrétiens et espoirs ne sont pas tellement loin devant eux qu'on ne puisse les atteindre, intérêt personnel, l'ami du monde, l'ami de l'argent est jaloux, tous les quatre. Ils résolurent unanimement de les attaquer sur cette question-là. D'autant plus que ces deux voyageurs avaient repoussé rudement intérêt personnel. Avant de continuer, je dois vous dire qu'ils se mettent tous d'accord que ce ne sera pas intérêt personnel cette fois-ci qui va poser la question, mais ce sera l'ami du monde qui va la poser. Alors, ils s'approchent tous de chrétiens et d'espoir. L'ami du monde pose la fameuse question à chrétiens et à son compagnon espoir. L'ami du monde dit, lorsqu'un homme, soit pasteur ou un autre, trouve quelque occasion de faire un profit quelconque et qu'il ne peut l'obtenir que par une belle apparence de piété, ou en faisant paraître plus de zèle qu'à l'ordinaire, un tel homme ne peut-il pas employer ces moyens-là pour parvenir à son but et être quand même un homme selon Dieu? Alors, chrétien répond, même un enfant pourrait sans peine répondre à cette question-là. Car premièrement, on ne doit pas suivre le Seigneur Jésus-Christ seulement pour avoir du pain, comme il est dit dans Jean 6, le verset 26. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Jean 6, 26. Deuxièmement, dit Chrétien, nous ne trouvons pas dans la Bible personne qui a suivi vos principes si ce n'est des païens. Des païens, lisez cette histoire dans le chapitre 34 du livre de la Genèse. Là où Sichem, un homme Sichem et Armor, ayant trouvé des plans pour obtenir la fille de Jacob et tout son bétail, et voyant qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'y réussir que d'adhérer, du moins extérieurement, à la religion des Hébreux, dire à leurs concitoyens, si vous recevez la circoncision, leurs biens, leur bétail et tout ce qu'ils possèdent nous appartiendra, qu'à la condition de tout mâle parmi nous, que tout mâle parmi nous soit circoncis, comme ils sont eux-mêmes
circoncis. Genèse 34, versets 21 et 22. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. Genèse 34, verset 23. La fille et les richesses de Jacob étaient ce qu'ils avaient en vue, et la religion n'était qu'un prétexte pour les obtenir, voyez-vous. Les pharisiens, il est écrit, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins. Luc 20, 46. Qui dévorent les maisons des veuves et qui font, pour l'apparence, de longues prières, ils seront jugés plus sévèrement. Luc 20, 47. Simon le magicien était aussi un de ces caractères, car il désirait avoir le Saint-Esprit pour gagner de l'argent, en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Acte 8, 19. Mais le jugement qu'il entendit de la bouche de Pierre fut, repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Acte 8, 22. Judas suivait les mêmes principes. Il avait l'apparence de la piété. Il suivait Jésus-Christ et témoignait de la charité pour les pauvres. Mais c'était à cause de la bourse et pour avoir ce qui était dedans, car au fond, c'était un damné, un fils de la perdition. Il est facile de voir que ceux qui deviennent pieux par amour pour le monde seront toujours disposés à renoncer à la piété pour le même motif. Car il est aussi certain que Judas regardait au monde dans ses pratiques de piété, qu'il est certain que ce fut pour le monde qu'il vendit sa piété et son Seigneur lui-même. C'est donc un sentiment païen, pharisaïque et diabolique que l'affirmative de votre question à laquelle, par contre, je constate que vous avez adhéré. Mais votre salaire sera selon vos œuvres. À ces mots, ces hommes se mettent à se regarder fixement, les uns les autres, sans pouvoir dire un seul mot, à répliquer, parce qu'ils sont convaincus de la vérité des choses que Chrétien vient d'avancer. Il se fait donc un grand silence, puis enfin, intérêt personnel et ses compagnons s'arrêtent tout court, ils restent en arrière, tandis que Chrétien et Espoir continuent leur chemin, et les devancent d'assez loin, ce qui donne lieu à Chrétien de dire à son ami Espoir, si ces gens ne peuvent pas supporter le jugement d'un homme, comment pourront-ils subsister devant le jugement de Dieu? S'ils demeurent muets lorsqu'ils n'ont affaire qu'à des vases de terre comme nous, quelle sera leur condition lorsqu'ils se verront exposés aux reproches que leur fera Dieu devant les saints et tous les anges? L'amour du monde et les richesses et la mort de l'âme. Chrétiens et espoirs sont désormais hors de leur vue et arrivent dans un endroit très reposant nommé le lieu agréable où ils se promènent avec une grande satisfaction. Mais cet endroit-là n'a pas été long à traverser, bien qu'une brève période de repos ici soit légitime et bienvenue. Généralement, ce temps-là va préparer nos pèlerins à affronter d'autres tests ou épreuves. Ça me fait penser, ce temps de repos pourrait représenter, par exemple, quelques heures par semaine, alors que nous assistons dans les rencontres fraternelles et ou
dans les réunions telles que le dimanche et le mercredi soir, ou seul à seul avec la parole de Dieu pour le contempler, méditer, loin de l'ennemi ou des ennemis, au fond. Les premiers disciples ont beaucoup profité de ces périodes relativement brèves et ininterrompues de communion fraternelle avec le Christ, leur Maître. Jésus leur dit: Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Marc 6, 31. Je vois aussi du côté droit, un peu au-dessus de la mine, un nommé Démas, homme de distinction, qui crie aux passants de monter vers lui et de venir examiner un peu l'endroit. Lui aussi, un jour, a été un pèlerin. Chrétien a récemment été mis en garde au sujet de certaines personnes qui recherchent à s'enrichir au détriment de fidèles chrétiens sincères et engagés. Il est question d'un dénommé Démas dans le Nouveau Testament. Il est écrit: Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas dans Colossiens 4, 14, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. 2 Timothée 4, 10. Démas crie: Hé! Vous, les messieurs, en s'adressant à Chrétien et Espoir, venez par ici, je vais vous montrer quelque chose qui va sûrement vous intéresser. Chrétien dit: Quelles sont ces choses pour mériter que nous nous détournions de notre chemin? Démas dit: C'est une mine d'or et d'argent. Si vous voulez passer par ici, vous pourrez vous enrichir sans beaucoup de peine. Espoir dit à Chrétien: Penses-tu, chrétien, on pourrait quand même peut-être aller voir et jeter un coup d'œil. Espoir désire aller examiner l'offre, puisque tous les pèlerins ont leur moment de faiblesse. Il y a heureusement pour eux plus de sécurité et de discernement du fait qu'ils voyagent tous les deux ensemble, en harmonie et en communion fraternelle, plutôt que de voyager chacun de leur côté. Sinon, à ce stade-ci, vous comprendrez bien, Espoir aurait pu aussi bien subir un grave échec dans son désir d'une espérance en Dieu qui ne trompe pas. Alors, Chrétien refuse de se détourner du droit chemin. Pourquoi vous pensez? Non seulement à cause des dangers inhérents à un tel endroit, mais plutôt à cause de son plus grand respect pour la richesse que Dieu fournit, car Dieu a sa richesse en comparant avec celle du monde ou celle de Démas. L'apôtre Paul dit: Je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Philippiens 3, 8. Le chrétien dit: Non, je ne suis pas intéressé. J'ai entendu dire beaucoup de choses négatives sur ce lieu-là. On dit qu'un grand nombre de personnes en ont été vraiment déçues. Les richesses sont des pièges pour ceux qui les recherchent. Elles sont un obstacle dans leur voyage. Alors, chrétien dit à Démas: Ce lieu n'est-il pas dangereux? Et n'a-t-il pas détourné plusieurs pèlerins de leur voyage? Non, non, pas du tout, dit Démas, sinon quelques étourdis peut-être seulement. Démas offre une grande richesse pour peu d'efforts. Lorsque c'est trop beau pour être vrai, s'abstenir. Il cherche surtout des pèlerins qui ont un mauvais œil. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Un homme envieux a hâte de s'enrichir. Il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Proverbe 28, 20 et 22. Bunyan explique
Genèse 3:7, qui dit ceci concernant Adam et Ève, après qu'ils eurent désobéi à Dieu. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Genèse 3:7. John Bunyan déclare: Encore aujourd'hui, de nos jours, le diable trompe le monde. Ses tentations sont dorées avec quelques prétentions douces et fines, comme par exemple, ils deviendront plus sages, plus riches, plus dans les faveurs, les privilèges, comme vivre plus joyeusement, mieux s'en tirer ou quelque chose de la sorte, et qu'ils auront toutes ces bonnes choses pourvu qu'ils n'obéissent qu'à lui, c'est-à-dire qu'ils obéissent au diable, que les imbéciles sont facilement attirés et séduits par toutes ces choses. Citation de John Bunyan. Chrétien dit: Mon cher ami espoir, écoute-moi bien, crois-moi, nous ne nous détournerons pas d'un pouce, suivons droitement notre sentier. Espoir répond: D'accord. Je me range de ton avis. Si intérêt personnel passe par ici et qu'il soit sollicité comme nous l'avons été, il ira certainement voir lui ce qui en est de Démas et de ce qu'il nous a. Alors, Chrétien dit: Ça ne me surprendrait pas du tout, il ne ferait que suivre ses principes et il y a toutes les probabilités qu'il prendrait toute une dégringolade, je pense. Alors Démas crie à nouveau: « Mais écoutez, ne voulez-vous pas venir ici pour voir au moins, venez jeter un coup d'œil au moins? » Chrétien répond: « Vous êtes franchement un ennemi des voies du Seigneur, et vous avez déjà été jugé par un de ces juges de Sa Majesté à cause de votre révolte. Pourquoi tentez-vous de nous attirer dans la même condamnation? » Démas dit: En principe, je dirais que je suis pas mal d'accord avec vous deux. Est-ce que vous pourriez m'attendre un peu ici jusqu'à ce que j'aie amassé quelques pièces de cette mine et j'irai avec vous volontiers? Le chrétien répond: Quel est votre nom? Ne vous appelez-vous pas comme je viens de vous appeler, comme je viens de vous nommer? Démas dit: Oui, mon nom est bien Démas. Alors, Chrétien dit: Vous marchez sur les traces du Démas que nous retrouvons dans le Nouveau Testament? Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. 2 Timothée 4, 10. Chrétien et Espoir décident de ne pas s'arrêter alors qu'ils voient derrière eux intérêt personnel et ses compagnons qui, au moindre signe de Démas, s'en vont tout droit vers lui. Je ne peux pas dire s'ils sont descendus pour travailler à la mine ou si enfin ils ont été étouffés par les vapeurs de la mine qui s'élèvent continuellement de la mine, mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'ils ne paraîtront plus dans tout le reste du chemin. Tout ça donna lieu à Chrétien et à Espoir de chanter ce cantique. Un jour, l'exécrable Démas vint au-devant d'un homme peu fidèle, à peine paraît-il avec ses faux appas que ce mal avisé court où Démas l'appelle. Séduit par l'éclat des faux biens, il quitte Dieu pour des idoles vaines, et son âme se livre au funeste lien du tyran infernal qui l'accable de chaînes. Funeste exemple du courroux qui exercera le monarque suprême sur ceux qui n'ont pas suivi Jésus, ce chef si doux, que pour des biens trompeurs et non pas pour lui-même. Nos deux pèlerins et espoirs continuent leur route sans se détourner et ils arrivent dans un lieu où se trouve un ancien monument
près du grand chemin et qui leur cause, à l'un comme à l'autre, une grande surprise. Ne manquez pas d'être là dès le prochain message. Nous aurons la suite. Alors je vous remercie d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Que Dieu bénisse sa parole dans mon cœur, dans le vôtre. Seigneur, nous voulons nous confier en toi, mettre notre confiance totale dans le Seigneur Jésus-Christ et dans sa parole pour suivre ce chemin vers la cité céleste. Au nom précieux de Jésus. Amen.